Ô toi, mon descendant, tu te trouves devant la source de l'eau pure des auras. Sers-toi de ton pouvoir pour ouvrir les quatre vannes et tu auras toute l'eau dont tu as besoin. Laisse-moi te guider. Ah.
puissance maximum. Fantastique! Cette vanne est ouverte. On est sur la bonne voie.
Bravo, Link. Thank you.
Je suis prêt. Excellent. Il n'en reste plus qu'une, Link. Thank you.
Réussi, il est... Parfait! Toutes les jarres sont...
La vase a complètement disparu. Le domaine est sauvé. Qu'est-ce que c'est ? Un monstre ! C'est toi qui as attaqué le domaine ! De la vase à volonté. Je suis prêt. Pouvoir de l'eau. C'est le moment ou jamais. Je compte sur toi, Link. Bien joué, Link. Allez, on passe à l'attaque. Je suis prêt. C'est le moment ou jamais. Oh, c'est plein de vases. Il faut qu'on la nettoie à grand dos. Je donne pas cher de ta peau. Difficile d'avancer dans toute cette phase. On ne pourrait pas faire quelque chose. Il nage à son aise dans la vase. Impossible de le rattraper s'il continue comme ça. Yeah.
passe à l'attaque. Ou jamais. On y est presque, Link. Sois prudent. C'est le moment ou jamais.
Sidon, mon descendant. Toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. C'est donc toi qui nous parles à tous les deux depuis un moment ? Oui, je suis ta très lointaine ancêtre. J'étais une guerrière Zora au service du premier roi d'Hyrule, également connue sous le nom de Sage de l'eau. Tu as remarquablement combattu, tel un cours d'eau insaisissable. Tu es la fierté du peuple Zora et tu me fais honneur. Ce monstre était la cause de la vase. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Il avait pour mission de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre occulte et le roi démon, tu dis ? Oui. Tout cela est de la plus haute importance pour ce qui t'attend par la suite. Alors écoute ce que j'ai à te raconter. Écoute la tragédie de la guerre du Sceau et le destin de notre peuple. Les événements que je vais vous relater remontent à un passé fort lointain, peu après la fondation du royaume d'Hyrule en ces terres. Un être maléfique fit son apparition, terrorisant les populations innocentes et menaçant de détruire le royaume. C'était le roi démon. Le premier roi d'Hyrule, Raoru, se dressa alors pour lui faire face, accompagné de 6 autres guerriers. Pour que nous puissions affronter le roi démon, Raoru nous fit don des pierres occultes. Des gemmes capables d'amplifier les pouvoirs de leurs porteurs. Moi-même, muni d'une de ces pierres occultes, je pris part au combat en tant que sage de l'eau. Mais la puissance de l'ennemi était immense. Mes défenses d'eau ne pouvaient rien contre la violence de ses attaques. Il était d'une agilité formidable. Finalement, le roi Raoru dut se rendre à l'évidence. Nous ne pouvions pas vaincre le roi démon. Il prit alors la décision de se sacrifier pour sceller l'ennemi et mettre un terme au combat. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Quelque temps plus tard, je reçus une visite de l'un des 6 sages, le sage du temps. Cet événement allait décider du sort des Zora. Le Sceau finira par céder, c'est inévitable. Le roi démon sera libéré. Quand ce jour viendra, pour pouvoir lui tenir tête, Link aura besoin de soutien. Je t'en conjure. Confie-lui le pouvoir des Zora, le pouvoir de manipuler l'eau qui est le vôtre. À cet instant, je sus ce qu'il me fallait faire. Éliminer le roi démon est notre vœu le plus cher. Au nom du peuple Zora, je jure que le retour du roi démon sonnera le réveil du sage de l'eau. Et que celui-ci se battra aux côtés du chevalier Link. C'est ainsi que s'acheva la guerre du Sceau et que fut scellé le destin de notre peuple. Grâce à vos glorieux accomplissements, le domaine Zora a échappé à la catastrophe. Mais le réveil du roi démon est imminent. Sidon, mon descendant, je te prie d'accepter cette pierre occulte en héritage et d'honorer la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Bats-toi aux côtés du chevalier Link, prête-lui tes forces dans son combat! Alors, combattre le roi démon aux côtés de Link, c'est ma destinée. J'étais venu ici dans le but de sauver le domaine de ces torrents de vase. Je n'imaginais pas me voir confier la survie d'Hyrule. Comme ma vénérable ancêtre, je protégerai le royaume au péril de ma vie.
J'accepte que la pierre occulte me revienne. Je suis le sage de l'eau. Regarde, contemple ma nouvelle puissance. Donne-moi ta main, Link. Moi, Sidon, sage de l'eau, je fais le serment de combattre à tes côtés. Tiens, reçois ceci, le symbole de la promesse qui nous lie. À travers cet anneau, où que tu ailles, tu pourras faire appel à mes pouvoirs. Je serai là pour toi, Link. Toujours. Bien, retournons au domaine.
Ha ha ha!